la dernière fois, je l'ai maquillée avec ce look-là, que cette fois, en fait, justement, eh bien, ce soit elle qui me maquille, sachant qu'elle ne maquille pas, à part elle, je veux dire, elle n'a jamais maquillé des gens. Elle a essayé une fois de me maquiller, qu'on a essayé de filmer. Le seul problème, c'est qu'en fait, on n'avait pas la fin, ça coupait à la fin. C'était très rigolo le look qu'elle m'avait fait en plus. J'essaierai de vous mettre une petite image de la fin, entre guillemets, que j'ai pour vous montrer. Donc elle m'avait fait quelque chose de très bleu, lèvres bleues, yeux bleus. Je sais pas pourquoi, elle était partie sur un look mermaid. C'était au niveau des vacances, j'étais partie vraiment sur un look mermaid. Vous voyez, en fait, ce bleu là, bah voilà, j'avais ça sur les yeux. Donc là, bah, on s'est dit pourquoi pas retenter l'expérience en espérant que cette fois, mon appareil photo filme la fin. Voilà, donc bah, elle va vous expliquer ce qu'elle va faire, puis moi, je me tais. Donc je vais commencer par mettre le touche éclat bleu primer de chez Yves Saint Laurent. C'est un primer, donc. C'est un truc premier, une base. Elle m'aide même pas. Et en plus, le challenge pour elle, c'est que j'ai des boutons aujourd'hui. Allez hop! Mais je trouve que c'est mieux avec les mains. Comme tu fais. Tu sais que ça va aller sur les cils, hein. Oh non! Juste pour vous expliquer, si le plan a changé, c'est normal, on vous a un peu dézoomé pour que vous voyez mieux parce qu'elle disparaissait complètement de l'écran. Donc... voilà! Bon, ok. Une fois que j'ai appliqué le primer, je vais appliquer le Dior Backstage en teinte 3WO. Et je vais ensuite l'appliquer avec le Beauty Blender. D'accord. Oh, je me sens bien. Ça cache tout. Bonjour. Je vais laisser galérer comme ça toute la vidéo. Donc si elle a peur de quelque chose, on va la laisser avoir peur toute seule. Je peux pas faire, j'ai vu quoi. Je sais pas si... Non, je vais descendre jusque dans le cou. C'est pas bon du tout, mais je sais que ce que je fais, ça ne rime à rien. N'oublie pas jusqu'à un moment ça sèche. Donc une fois qu'il sèche, il est waterproof. Là je vais prendre la Beauty Blender. Pourquoi tu prends des trucs waterproof que j'ai dit? Parce qu'après il ne bouge pas de la jambe. J'ai peur de te mettre le truc dans l'œil, j'ai plus peur pour toi que pour moi. C'est horrible, j'ai fait le contour de ton œil, je sais pas ce que ça va donner. Enfin, je vais peut-être rajouter un autre. Non, c'est... Fais pas ça, ça me rend mal. On a dit, on l'a plus ici. Comme les deux qui font ça. Ça cache le bouton, ça.
Je te dis, je t'aiderai pas. C'est très gentil. Alors j'ai vu, tu m'en as mis ici, si j'ai bien. Hop, j'ai pas trop voir. Ici, tu m'en as mis sur le nez. Et au niveau du cœur. Alors le cœur c'est là. Ça c'est pas le cœur en fait. Le cœur de la bouche. Le cœur de la bouche. C'est quoi? L'arc de cœur. Non. C'est pas grave. L'arc. C'est l'arc. L'arc. L'arc de quelque chose. Non. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? On vous en mettez au niveau de la... De la moustache. Non, juste là, dans le... Au-dessus. De ces... Ah, j'ai pris pas bien. La phrase la plus française de l'univers. Je... Que j'ai fait, je vais mettre la poudre. Et avec quel pinceau? Je mets avec le pinceau bronzing blush brush. C'est la même faute que moi la dernière fois que je l'ai prononcé, je pense. C'est vrai? Bronzing brush. Voilà. Ok. Je prends lui et j'utilise la poudre Marc Jacob qui s'appelle Omega Bronze. 104 tonnes plastique. Je prends. Hop. Je suis envie de rire, tu me fais trop rire, je sais pas où est-ce. Hop. Pour le moment. Un peu de blush. S'il devient rose tout de suite, comment je fais? Je remonte jusqu'à ce que tu fais. Ça allait, mais franchement, dis-le en commentaire. Pour le moment, je trouve que ça va. C'est... Ça devient pas catastrophique, c'est au niveau des yeux que ça devient pas catastrophique. Il faut mettre mon calme les couleurs dans le creux, dans le lit, dans le... Mais ça devient super rose. Je vais arrêter là. Avec le blush. Et je mets un peu plus au-dessus. Oh, ouh là là, il highlight. Je t'ai fait briller de mille feux. Et d'un coup. J'adore. Je pourrais me maquiller qu'avec ça. Ça va être tellement d'aller. Je vais t'en mettre juste un peu au-dessus. Au-dessus de l'œil, je peux voir que ça passe. Sans droit. J'ai pas le choix, elle veut faire ses sourcils. Je croise les doigts, j'espère que je vais y arriver. Si j'y arrive pas. Ben, chance à moi. En vrai, ça va parce qu'ils ont déjà une forme. Bah ben oui, mais. C'est pas comme s'il me restait trois poils. Non, mais je ne suis pas très. Pas très. J'arrive pas. On va dans le lit. Et on compte les trous. Moi aussi, je sais pas faire le sourcil parce que je n'ai pas fait de vidéo sourcil. Donc ça va être de ma faute maintenant.
Je sais pas pour vous, mais moi, au niveau de mes sourcils, je les touche jamais parce que je sais pas les faire. Si on avait une vidéo pour savoir les faire... Je vais utiliser la pommade Ash Brow. C'est comme ça, Brown. 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 Ash Brown. En bref, de chez Anastasia. La marron chambrée, quoi. La marron chambrée. Et je ne sais pas comment elle s'utilise. Donc on va essayer. Mais elle est un peu, vieille sèche. Je peux pas changer. Même Picasso était plus doué que moi. C'est sympa en même temps, en fait. Toi, t'as jamais fait des trucs de peinture. Qui a des mauvaises notes en fait? Celui qui ne font pas? Celui qui n'ont pas l'air de voir, peut-être. Ça a l'air d'aller. Enfin, pour le moment. Je suis sûre que c'est Anastasia Belverdis. Regarde la vidéo, elle va mourir. Elle va dire waouh. Quelle prononciation, waouh. Damn it, à sous de nous, c'est pas grave. Je vais faire l'autre. Et après, je baisserai et je remettrai, du ash brown. Et après, je remettrai bien. Donc, si vous n'avez pas compris, vous verrez en vidéo ce qu'elle essaie d'expliquer. Hein. Non, mais c'était pas compréhensible. Je vais baisser, je vais remettre un brown, je vais mettre comme ça. Je sais pas si c'est vraiment compréhensible. Ça c'est la... Pas trop l'air horrible. Mais toi tu veux. Bon, ne faites pas ça. Vous remettez bien, c'est tout. Pas mal. Vous m'appelez la tête du sourcil. Ok. J'en mets combien de pubs shit? Ah non, là. Je pense que c'est pas mal. Je suis pas sûre de mon corps. Mais j'ai vachement visé ton œil. Je te confirme, t'as vachement visé mon œil. On est que sur ton œil. C'est même pas les. J'ai oublié de mettre. Alors voilà, on va assister à ça. C'est. Voilà. Ouais. Pardon, j'ai oublié de te mettre le Ready Set Grow Bénéfice. Bénéfice. Le bénéfice. Bon, si c'était que ça que j'ai oublié, c'est mieux. J'ai oublié plein de trucs là depuis le début. Non, t'inquiète pas. Vas-y, continue. Bon, bah ça donne envie de continuer. Non, mais je trouve que ça va, enfin. Ah, ça va. Dites-le nous en commentaire, mais pour le moment, vous aurez fait la même chose. Non, d'accord. C'est le louer toute seule. Oh, mais non. Et ça, c'est transparent. Petit aparté, si vous entendez des bruits, c'est juste parce que ma famille vient d'arriver dans l'endroit où on tourne. Et donc, du coup, on risque de les entendre en arrière-plan. Sorry. Sorry. Je fais ça à la main gauche. Pourquoi je fais pas à la main droite? Parce que je suis une pro. Est-ce que je pue? C'était mon mignon chant dans ses gestes. Il a peur de fou, c'est assez drôle. Pinceau qui n'a pas de prénom. Qui le blending brush de rien de technique. Bon, bah apparemment il y en a un. Je vais prendre le blending brush de rien de technique. Et je vais prendre la couleur des soirées. Yes! Bon, ça va être pigmenté, je le sens. Je le sens. Et je le mets au niveau du creux de paupière. Bon, j'espère que c'est le... Il faut bien le mettre.
Bah, pour l'instant, c'est pas moche. Jusqu'à ce que ça se dégringole, hein, mais c'est pas moche. Vas-y, tourne. Ils s'appellent tous le blending brush. Et je vais utiliser. Je vais utiliser la couleur. Sunset Dream. Allez, juste trop cette couleur. Ça fait plein de belles idées. Comment ça se passe encore? Elle est top top top. Franchement j'adore la couleur, il y a plein de paillettes, ça fait des... C'est trop beau ça. Voilà, je suis tombée amoureuse de mon couleur. Oh my god. Oh my god. Oulala, qu'elle est belle. C'est franchement pas possible, mais je t'assure que c'était colère. Elle commence à utiliser l'accent québécois, on l'a perdu. Oh là là, mais elle est franchement... Oh là 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 là. Coucher de soleil. Alors... Couleur, ça va être comment? C'est franchement trop beau. Franchement, je m'applique. C'était moche, mais là je trouve que ça fait. Regardez, je vais un peu estomper. Cherchez le mot. Ça va prendre un peu. La couleur s'appelle Afrique. C'est une couleur qui fait deux, non? Ça dépend de quel côté. Regarde. Elle est magnifique. Elle est soit dorée, soit rose pêche. Tout ce qu'il faut. Juste, j'apprécie. Tout l'œil, t'as pas peur que je mette des pinceaux dedans, hein? Ouh! Je suis capable, enfin, je peux toucher mes yeux avec mes doigts. T'es pas inscrit dans le Guinness de fois. Haha, moque-toi! Donc je continue et je vais prendre un pinceau plat pour biseauter de la marque Cuivage. Je ne peux pas voir le nom. Cuivage. Quelque chose. Et je vais faire juste sous l'œil là, comme ça, sous la paupière. Je trouve ça magique. Ouh là là. Ça me demande un effort considérable. Je vais faire un peu de pinceau dans ton œil. Désolée d'avoir si je le fais. En plus, t'as des cils, des bébés cils qui arrivent. Je double les points. Ça t'a piqué l'œil? Non. C'est dans le B. Pourquoi des yeux? Oh mon. Quoi? Comme j'avais mis mon doigt dans le. T'as un highlight, mais. Genre, mon sein. Y'a qu'à moi que ça arrive. Bah, mais c'est vrai, je sais même pas comment on enlève. Figure it out. Avec quoi tu peux m'attraper là si t'as pas de coton ou t'as pas de bénéfice? Ça peut être une épée. Non. Tu peux m'en disser ou tu fais un temps ou tu vas m'en faire des choses? Mais trop intelligente. Oh là 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 là. Donc je prends le concealer de... Le même que tout à l'heure. BK. T'es vraiment genre, ça fait une marque de doré quoi. Elle est partie où? J'ai envie d'utiliser ça. Mais je sais pas ce que c'est les gars, moi j'ai reçu ça en échantillon parce que j'ai commandé un parfum chez Sephora. Échantillon. Échantillon. Minime Beauty Blender, mais genre elle est plate. Elle est même pas à vendre, je sais pas. Bref.
Genre, je sais pas si vous voyez comment elle est. Du coup, j'ai pas trop compris. J'étais genre, d'accord, je comprends pas. Bon, nous l'utilise. Ça va, c'est rigolo. Il manque le mascara. Donc, on va. Ça, par contre, vraiment, je peux pas. Ferme les yeux, tu vas te débrouiller. Je vais expliquer. Je vais appliquer. Elle va expliquer. Je vais appliquer le maximiseur 3D de chez Dior. Triple volume. Le Lash Primer. Je pense que vous voyez dans toutes les vidéos make-up maintenant, vous avez l'habitude. Les trois produits qui ne changent pas. C'est ça. Concentration immédiate. Je sais même pas comment prendre le pinceau. Oh my god! Je me dis si ça rentre trop dans ton œil. Mais ouais, mais oui. Je sais ce que j'ai oublié! T'as oublié quoi? La poudre va être réfixatrice! Génial! Donc, je continue et je mets le. C'est bien, elle s'en est rendue compte maintenant, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Pumpen Volume Waterproof de chez Dior. Wow. Encore une fois, ça c'est ton mascara préféré. Ouais, mais après je te dis, la version waterproof est trop sèche, je trouve, par rapport à la vraie. Bon, je regrette un peu de l'avoir acheté en waterproof. Je pense que c'est le seul truc qui me. Qui tient bien. Moi. Ça coûte quand même 30 euros. Hein. Après c'est un bon, c'est un très bon mascara, mais la version waterproof je suis pas fan. Je l'ai acheté pour tester et en fait je crois que je le maintiendrai à la facile. J'ai envie. Oh là là. Mais catastrophique. J'ai mis partout. C'est bah voilà, c'est moi. Non, ferme, je mets en bas, enfin le lèvre. Ça peut aller. Voilà. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Oui, j'arrive pas à parler, pardon. T'es beaucoup trop concentrée, il est en toi. Bah, je me dis, j'essaie de faire bien. Oh, t'as mis du noir partout. Je vais appliquer. La poudre Vitaly. C'est une poudre hyaluronique Vitaly, c'est ultra bon. Oh, j'adore cette poudre. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'odeur dedans. Non mais enfin, déjà l'effet quand tu touches la poudre. Tu touches. Enfin, la poudre sur ton visage, je trouve que l'effet est hyper bon. Là, c'est une poudre qui est faite pour hydrater et lisser. Donc elle est géniale. C'est pas un petit coup de pub, mais... J'ai bien envie de t'appliquer un rouge... Un rouge bien pétant. C'est le cheerleader de Huda Beauty. Mmh. J'adore. Faut savoir que ce rouge à lèvres là, c'est moi qui te l'ai offert. Exactement, mon cher. Et la beauty blender, c'est Vicky, ma petite heure. Et cette palette là aussi c'est Vicky, elle est très contente que je l'utilise. Tu vois Vicky, on l'utilise encore aujourd'hui. Hey. Comment ça s'appelle le cœur de... Ah je te retrouverai. Alors mes lèvres quand je maquille c'est compliqué, mais alors les tiennes, j'ai peur de déborder alors que je t'écoute pas. Le trou n'est même pas droit. L'arc de cœur, ça s'appelle. Toujours pas. Je te dis pas, c'est le
tremble dès que j'applique le rouge à lèvres, c'est genre ultra pas cool du tout. Si je me rate. Bah, tu finiras de l'appliquer parce que j'arrive pas. Plus tu m'aimes, mais j'arrive même pas. Genre, avec ta bouche humaine, là, c'est compliqué. Sinon, au maquillage, j'ai presque pas. T'as une autre solution, hein, qui est la même que pour l'eyeliner. Encore ça? Tu prends ça et tu le prends sur un petit pinceau comme ça. Et en fait, regarde, tu le mets sur ta main. Voilà, tu prends ça. Et je retrace ta bouche. Et tu retraces les contours. Donc, voilà, petite astuce. Mais ça fait rose! Oui! Et après, t'enlèves le rose, rose, tu reprends la matière. Tu recommences, tu fais petit à coup par petit à coup. Je m'applique, c'est tellement horrible. Ça va pas rester blanc, comment on fait? Tu t'achètes avec la petite blender? Je vais prendre la mini beauty blender. Hop, voilà, là je pense que vous voyez un peu mieux. Vous voyez le fait que le mascara soit sec, du coup il a pas vraiment de couleur, donc ça c'est pas de sa faute, hein. C'est vraiment le mascara. Hop. Voilà, là vous voyez bien, et en fait vous voyez le fait qu'elle est pas fixée, ça a plissé juste là, mais c'est pas grave. Hein. Genre, pour quelqu'un qui ne maquille pas, je trouve que dans l'ensemble, c'est pas mal. C'est pas trop mal, hein, regarde. Hop. Zoom. Vous voyez, il manque un peu d'estompage, c'est-à-dire qu'elle a juste posé, elle l'a pas estompé. Pareil pour l'highlight, du coup ça fait un trait. Vraiment juste un trait. Mais voilà, moi vous voyez le résultat de près. Voilà, donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu, que ce petit make-up fait par quelqu'un qui ne maquille jamais personne vous a plu. Et puis ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo.